Au début, je votais pas. Et maintenant, je suis obligé par rapport à mes parents de voter, mais je vote blanc. Et est-ce que du coup, tu te sens représenté par les élus aujourd'hui ? Ah non. Ah, pour moi, je suis seul. Je me démerde seul, j'ai pas besoin d'eux. Moi, je te dis, moi, la politique, je m'intéresse même pas. Même tout ce qui est médiatisé à la télé, je regarde pas. Ça m'intéresse pas. Je vis ma vie tranquille, je m'en fous du monde en fait. Donc déçu Ah oui, moi j'étais déçu depuis très longtemps, donc pour moi ça changera pas. Après peut-être je me trompe, hein, peut-être il y aura quelqu'un qui va changer les choses. Mais j'attends toujours cette personne. Et quand tu dis changer les choses, ça voudrait dire quoi ? Ben changer pour tout le monde en général, par rapport au travail, pour les gens qui sont en galère, on va dire façon de parler, qui tiennent les murs, qui font ça toute leur journée, sont là à tenir les murs, à partir dans les mauvaises fréquentations, dans la délinquance. Parce qu'à la fin, pourquoi il y a la délinquance ? Parce qu'ils ne trouvent pas de travail, ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Donc ils essaient d'avoir de l'argent comme ils peuvent. Moi je les connais, hein, j'habite dans un quartier et je vois tous les jeunes qui galèrent. Hein, parce qu'on ne leur donne pas leur chance. Moi aussi, je galérais 2 ans pour retrouver du taf. Donc, je sais ce que c'est. Qu'est-ce qui bloquait ? Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'emplois, mais il y avait peu d'emplois. Mais dès que tu trouvais le truc, en fait, on ne te laissait pas la chance vu qu'il était nouveau. Ou ils préféraient prendre un ancien qu'un nouveau, quoi.